Salut Geoffrey. Salut Loïc, comment vas-tu? Ça va et toi? Ça va, merci. De retour après un an? Exactement, ouais. Donc comme je te l'avais promis, on va visiter aujourd'hui un bâtiment vache allaitante. Ouais. Cet après-midi, un autre bâtiment vache laitière. Donc c'est bien ce petit rythme qu'on se donne à chaque début d'année. On fait un petit tour des installations de l'année passée. On va essayer de faire les plus beaux bâtiments de l'année. Tu vas venir nous les filmer en tout début d'année. Quoi. Aujourd'hui, du coup, on est où? On remet un peu dans le contexte. Donc, aujourd'hui, on est à Dontaille-en-Lair. On va visiter le bâtiment de Monsieur Inzelin, bâtiment donc rouennais, aménagé par nos soins, des portes en filet à grotelles. Et après, le mieux c'est que l'éleveur t'en parle. C'est lui qui va présenter aujourd'hui. Ouais. Impeccable. Bah, je pense on va aller le voir à l'intérieur, je pense. Allez, c'est parti. Allez. Salut Alexandre. Salut Geoffrey. Ça va? Ouais, toi. Ça va, merci. Bonjour. Je te présente Loïc. Donc Loïc est venu aujourd'hui pour que tu lui présentes un peu ton exploitation. Beau bâtiment. Merci. Écoutez, je termine de donner à manger aux veaux. Ouais. Pareil, je donne à bouffer et on fait le tour des... Tu fais le tour après? Ouais. Pas de soucis, bah, je te filme du coup. Ok, ça roule. Bon ben voilà Loïc, on a enfin terminé de donner à manger aux bêtes. Maintenant je vais pouvoir t'expliquer son fonctionnement. Ouais. Donc, combien de bêtes d'ailleurs dans ce bâtiment? Donc là il y a 120 animaux, ouais. 110 vaches et le restant en genisse. Ok, donc ton fonctionnement, explique un peu ton fonctionnement. Donc c'est une exploitation en polyculture élevage, ouais. En allaitant système naisseur. Okay. Donc les brouteurs sont vendus entre 7-8 mois, 300 kg de moyenne. Ok. Tu t'insémines, pas que. Pas que, effectivement. Non, on a investi dans la maidria, capteur de chaleur et de mise bain. Donc aujourd'hui, on a 80 colliers qui permet d'inséminer ces 80 animaux. Dans l'avenir, effectivement, là, comme on peut le constater, il y a un taureau parce qu'il rattrape à partir du 15 janvier. Okay. On commence à inséminer au 20 novembre, on arrête au 15 janvier. Au 15 janvier, c'est le taureau qui reprend le relais. Ok. Bon, du coup, là, on a parlé un peu de tes animaux. Maintenant, le bâtiment. Moi, ma première question, bâtiment en bois, pourquoi? Pour la qualité de vie à l'intérieur. Après plusieurs visites, j'étais pas forcément fixé sur le bâtiment. Ouais. Le bâtiment en bois, tout du moins. J'ai préféré faire des visites et j'en suis revenu au bois. En fait, ça reste relativement vivant. L'humidité... est vachement bien géré, une bonne ventilation. On l'a vu tout à l'heure, après avoir paillé, c'était pourri à l'intérieur et ça s'est évacué en quelques minutes. En rien de temps, ouais, non, c'est impressionnant. J'ai investi aussi dans ce bâtiment parce que j'ai repris une autre exploitation à une vingtaine de kilomètres où on gérait deux troupeaux sur deux sites avec trop de distance. Et donc là, tu as tout regroupé. Voilà, plus, tu es au-dessus du village, donc tu es excentré du village. Voilà, on ne crée pas de gêne pour les habitants du coin. Ok. Et puis on est tranquille, on va te dire. Du coup, le bâtiment, quelle surface? Donc, le bâtiment d'élevage fait 2400 m². Ouais.
À côté, on a le bâtiment fourrage plus la fumière qui font 900 mètres carrés. Ok. Ça fait bien, bien un peu de surface. Oui, oui, ça a été assez colossal. Et du coup, c'est Geoffrey qui a fait l'aménagement intérieur. Qu'est-ce que tu as équipé qui pourrait être particulier, on va dire, ou différent des autres exploitations? Bah, comme je te disais, la maidria, notamment. Ouais. Donc pour les capteurs de vélage et chaleur. Après, bah, pour les portes automatiques à gratelle. Ouais, on l'a vu, ça t'a tes commandes dans le tracteur, tout, c'est quand même le top. Bah, puis surtout qu'on est quand même à une certaine hauteur, on est en plaine. Ouais. Donc c'était pour limiter aussi les courants d'air, les allées et venues avec les engins. Ouais, c'est clair. Pour créer des problèmes pulmonaires sur les veaux. Justement, les veaux, moi je vois que c'est différent de certaines fermes, t'as des couloirs au bout. Oui. Ils sont pas en libre dans les box ou enfermés dans un box, ils sont... ils sont... L'avantage, en fait, j'ai choisi l'allée d'alimentation pour les veaux, pour avoir un contact avec les veaux, et au moins on peut intervenir beaucoup plus facilement. Ouais. Ils ont leur propre endroit avec un système d'alimentation où, comme tu as pu le voir, on a mis du grain et on permet de d'ociliser un peu le troupeau, sachant que, comme je disais, on fait veiller dehors. Oui, donc forcément. C'est mieux qu'ils se laissent approcher plus. Voilà, ils se laissent faire une fois qu'ils arrivent au bâtiment. Je te cache pas que c'est un peu compliqué au parc, mais voilà, on arrive à les redécidiser sur les 6 mois d'hivernage. Ok. Donc j'ai choisi les tubulaires Matisse. Ouais. Parce que ce qui me plaisait chez eux, c'est le sur-mesure. Ils s'adaptent au bâtiment. Et on a une qualité, un savoir-faire derrière qui est pour moi incomparable. Quoi. Et en puis termes des tubes. Ah bah des tubes plus que conséquents quand on voit. Ah mais c'est impressionnant. Quand on les a posés, on a compris qu'on avait acheté de la ferraille. Ouais, posé ça devait être un peu les bras. Ah bah. Télesco, ouais, plus. Ouais. Au début on a cru que les bras suffiraient, mais en fait pas du tout. Bon du coup là on est au bout. Avant que Geoffrey qui tient la caméra se mette dans la porte, on va s'en retourner. Moi j'ai une question si tu veux bien. Ça coûte combien ? À peu près un investissement comme celui-ci. En gros, tout compris, terrassement, bâtiment, les maçonneries, les barrières, ouais. On est aux alentours de 700 000 euros. Ok. Que tu amortis sur combien d'années ? On a pris ça sur 15 ans. Ok. Donc, normalement, sur 15 ans, tu n'auras pas d'aménagement en plus à faire sur ce bâtiment. Non. 15 ans, tu vas être tranquille 15 ans, justement. J'espère avoir pensé à tout. Aujourd'hui, j'ai pas de regrets sur des éventuels choix. Ouais. Donc, après, ça fait combien de temps que les bêtes sont dedans ? Là, depuis 1er novembre. Ok, oui, donc tu as déjà eu le temps de voir s'il manquait des choses. Voilà, c'est ça. Ok. Et non, pour le moment, ça se passera bien. Après, voilà, il faut toujours se remettre en question. Il y a toujours des choses, peut-être des améliorations, mais pour le moment, c'est un bon choix. En tout cas, elles ont l'air tranquilles. Oui, 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 c'est calme. On va pouvoir les libérer justement là, ouvrir les cornasies, puis voilà, on aura fait un beau petit tour de la ferme. Pas de problème. Geoffrey, en tout cas, merci de m'avoir fait visiter le bâtiment d'Alexandre. C'était bien intéressant. Alexandre, merci beaucoup. À bientôt. Merci. Bonne journée. Alexandre. À la prochaine. Salut. 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 Ciao. Nous, Geoffrey, on va continuer. Voilà, on continue notre périple. Voir la ferme laitière que nous a parlé ce matin. Exactement, ouais. Vu la durée de l'interview, je vais faire plusieurs vidéos. Ouais, on en a une autre demain, donc on aura trois épisodes, trois vidéos. Et ce qui va être intéressant, c'est qu'on a du coup une ferme allaitante. On va avoir du coup la laitière cet après-midi et l'engraissement demain matin. C'est ça. Je te suis et du coup, sinon on se retrouve la semaine prochaine pour la suite. Marche. Merci.